Salut! Bonsoir. Bonsoir tous. Bonsoir Axile. Non, Alix. J'ai du mal, hein. J'ai du mal à m'y faire. Beaucoup de mal à m'y faire. Ce n'est pas Axile, mais Alix. Alix in Wonder. In Borderland. Je t'avais dit que j'avais envie de jouer à Splatoon. Tu m'avais donné envie. Eh bien voilà. Eh bien voilà. J'ai vu que t'étais en train de jouer aussi d'ailleurs. Mais pas ouf comment il est fait le multijoueur de ce jeu. On peut même pas se rejoindre en partie pro. C'est quand même honteux. C'est honteux. Oh les niveaux des mecs. Moi oh, je suis dans la merde. Je suis nul à chier. Je sais même pas comment j'ai fait pour être S+. J'ai joué au début du jeu quoi, quand il y avait toutes les merdes comme moi qui jouaient. Et voilà. Maintenant je joue plus, donc les S+, c'est des niveaux 64 avec une étoile, 86, 91 au secours. Oh les niveaux des mecs. Aïe 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 aïe. Je crois que je vais regretter d'avoir lancé ce live. Moi qui voulais fêter les 1 an d'affiliation sur Splatoon. Je crois que ça va être le pire anniversaire de ma vie. Je vais me faire déglinguer. Oh non, le skatepark. Et en plus, je joue... J'ai tellement pas joué que je joue sniper et... Et en vérité, je suis trop naze. Je sais même pas ce que je fais. Où est-ce que je dois aller? Ah, c'est de la défense de zone déjà. Oh là, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué. C'est... Oh là là! Et j'ai pas les... Je suis pas un joueur... Putain, ça va, Azam. Azam Somike pour les nôtres. Note pour les mômes. Alors, t'es confined? T'es pas rentré chez toi depuis? C'est bien, hein, t'as le temps de faire des trucs. Exactement, mais ouais. Je t'envierai presque. Oh putain, Mimosa. Je t'envierai presque. Parce que j'ai les, je dois rendre des livrets cette semaine. Donc j'ai des rendez-vous avec les parents tous les soirs. Là j'ai fini à 18h et encore, hein, les deux derniers ils m'ont mis un gros lapin. Donc je suis parti 15 minutes plus tôt. Gros lapin. J'ai jamais pris un tel râteau, il a fallu que ce soit un des parents d'élèves. C'est quand même incroyable. Ah, t'as Splatoon 2, salut Salamèchum. Monster Hunter à balle. Comment tu vas Salamèchum? Oui, j'ai Splatoon 2. Mais évidemment, tu crois que... Attends, tu parles à... À Nintendo Man ici. Par contre, j'ai Splatoon 2, mais j'ai pas le skill qui va avec. C'était pas vendu avec. Du coup, et surtout sniper, je vais faire n'importe quoi. Mais c'est le seul truc qui m'amuse. J'arrive pas à jouer avec les autres armes. Du coup, je joue avec sniper. Sauf que ça fait si longtemps que j'y ai pas joué. Le peu de skill que j'avais, bah je l'ai perdu. J'ai du obscur. Il va nous emmerder longtemps. Je t'aurais humilié dessus. T'es fort toi? En toute honnêteté. Parce que... Là, il n'y a pas de problème. Hein. Tu me dis que... Je l'ai touché! On m'a menti! J'ai tiré. Là, j'ai aucun problème à me dire que je peux me faire humilier par n'importe qui sur ce jeu. Je suis vraiment pété à Splatoon. Là, j'ai pas tué un mec depuis le début. C'est trop chiant. Splatoon, c'est sur Switch. Mais évidemment, tu crois que c'est sur quoi? Bah, le premier était sur Wii U. Et le 2 est sorti sur Switch, c'est un des premiers jeux de la Switch, hein, Splatoon 2. Sorti en juillet 2017. On avance. Prends du terrain, je vais me mettre en haut, tel un vrai snipe. Oh non, mais si on est tous là, on va se faire flinguer. Je me tire. Compliqué Splatoon quand on est chaud comme moi et qu'on meurt jamais. On peut pas lire le chat. J'ai peut-être pas la meilleure idée de l'utiliser maintenant, j'étais peut-être un peu con. Mais il faut que j'utilise à un moment donné. Ouais bon. J'étais un peu con. Avant que tes Joy-Con meurent. Mais joue avec une manette pro comme tout le monde. T'es pas trop mauvais. Je vais me le prendre, mais non. Je crois qu'en ce moment en plus... Attends, c'est Splatoon 2? Non, je sais plus. Il y a pas mal de... Il y a eu les soldes et tout.
Il y avait pas mal de promos sur des jeux. Alors je sais pas si Splatoon 2 a été en promo. Mais il y a des jeux genre tu prenais chez Amazon Italia, t'avais... Ah je sais plus c'était quel jeu. Mais il me semblait que c'était Splatoon, mais en fait pas. Il y avait des jeux genre à 30€. Je suis nul. Bim, premier frag. Attention, je me cache. Qu'est-ce qu'ils veulent? J'ai pas assez de... Personne m'a vu. Ok. Je suis en X. Ah ouais, merde. T'es trop chaud. Non, non, je joue pas avec le gyro, non. Moi, je suis pas un joueur gyro. J'ai jamais aimé la... J'ai jamais aimé ça, les mouvements dans le jeu vidéo. Après, je conçois que ça soit pratique sur Splatoon, effectivement. Mais ça me plaît pas. Moi, je suis un flemmard. Là, je joue avec mes grosses mains sur mes grosses cuisses. Et je suis bien. Retraite! Oh, les bâtards. S'il vient, il est mort. S'il vient, il est mort. Il vient pas. Quoi? Mais je suis le pire joueur. Mais quoi? Oh, je suis tellement le pire joueur. C'est honteux ce que je vois. T'as un Joy-Con Drift sur ta manette pro. Mais non! Mais tu sais que ça se soigne, les Joy-Con Drift. Je crois qu'on a perdu. Ça se soigne. Joy-Con Drift, moi j'ai mis un petit coup de dégrippant sous le truc, sous le stick. Et j'avais plus de Joy-Con Drift. Hein. Et merde, on s'est fait fumer. Pas mon truc manette pro pour Splatoon, vu que sur Wii U c'était le gros gamepad. C'était bien sur le Wii U parce que tu pouvais... Pour te TP, t'avais la minimap. Là c'est chiant, j'ai pas le réflexe de faire Y, je crois, pour aller sur la map et... Et après, pour choisir le perso sur qui tu vas te TP, c'est compliqué. Alors qu'avec le tactile de la Wii U, c'est vrai que c'était pratique, ça. Indispensable pour ce jeu. J'ai bien l'impression, ouais, tous ceux qui sont chauds, ils jouent au gyro. Mais non. Moi, j'ai pas envie. Je suis pas là pour tryhard. Vous allez voir mon vrai skill de sniper de Call of Duty. C'est marrant parce que sur Call of, j'ai toujours détesté les snipers. Quand je jouais à Call of, Modern Warfare 2, Black Ops et tout, je jouais jamais sniper. Alors que c'était la mode. Tout le monde faisait des 3-6 no scope. Moi j'ai toujours détesté ça. Et sur Splatoon, c'est l'inverse. J'aime pas trop les autres armes. J'y arrive pas. Bon, là non plus, vous me direz, j'y arrive pas, mais... Je veux dire que des fois, ça va. Ça dépend des jours. Oh, j'adore ces couleurs, elles sont trop jolies. Le jaune versus le bleu, ça a intérêt à être les couleurs officielles de Splatoon 3. Il le faut. Oh, j'ai buté un mec. Vous avez vu le talent? T'es pas fait exprès du tout. Lui, il va tellement succomber. Bim. On va créer des petits chemins. T'aimes pas trop FPS? Bah, pff, ouais. Alors, surtout que ça tourne en rond les FPS, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je joue plus à des FPS. Mais fut un temps, à l'époque de Call of Duty, Modern Warfare 2, Black Ops, premier du nom, Battlefield, Bad Company 2 et Battlefield 3, et un peu 4. Ça c'était la période FPS pour moi. Je jouais que à ces jeux. J'avais drop Nintendo au collège. À la fin du collège, j'avais plus de Nintendo. C'est qui? Oh, salut Zacarton. Merci Salamécham. Salamécham qui utilise les points pour me prévenir que Zacarton est là. Et c'est... Il faut faire ça. Parce que c'est... S'il y a Zacarton, il faut lui dire bonjour. Je peux pas le laisser patienter. On n'a pas le droit de laisser patienter Zacarton. Oh là là. C'est le doyen du stream. Faut lui respecter. Je me fais fumer là. Qu'est-ce que tu veux toi avec ton pinceau là? Retourne jouer à Smash Bros. Retourne faire Link. Je voudrais pas trop m'avancer, mais ça, c'est bien parti. Ça ou quoi? Ça va et toi, Zacarton? Moi, ça va. En ce moment, je finis tard parce que j'ai tous les parents à rencontrer pour leur donner les bulletins de semestre. Du coup, ça me fait chier. Mais les gens, ils viennent pas, donc... Tub.
bordel. Les gens ils viennent pas au rendez-vous donc donc je finis plus tôt. Le papy du live. Oui, c'est vrai que t'étais malade, tu vas mieux Zach Carton. Zach Carton. Dommage que t'étais pas là au tournoi, c'était bien sympa. Le tournament. Trop fort Zach Carton, il esquive la balle pour se prendre. Je sais pas, un copeau de bois dans la tête. Victoire, putain, mais ça avance rien du tout. Et si je perds encore, je descends d'un level, je pense. C'est abusé. D'ailleurs, Salaméchum, toi, t'es chaud ou... au strat du jeu? Parce que j'avoue que moi, j'ai des vêtements. Mais les boosts, je sais pas quoi mettre, en fait. Je sais pas trop quoi mettre. Comment ça s'appelle? Les atouts que... C'est les vêtements, ils ont 3 atouts ou 4. Je mets un peu au pif. J'essaye juste de débloquer tous les atouts de chaque vêtement. Je m'en fiche des vêtements. Ah. Moi, je pensais que c'était important. En plus, à Carton, les gens étaient chauds patates. Hein. Je me suis fait sortir tour 2. C'était trop fort, les gens. Salut, Azer. Moi je m'y connais, salut. Putain mais il y a que des persos d'animés sur Twitch. Il y a des mecs qui attendent à la porte, qui attendent leur réplique. Et dès qu'ils ont leur réplique, ils arrivent. Toi tu t'y connais, tu vas pouvoir me conseiller. Parce que je fais jamais mes vêtements, j'ai jamais fait mes vêtements. Donc je sais pas trop. On peut foutre des trucs. Ah là là. Oh merde toi. Quoi? Pardon hein. Un site sympa. Il y a des sites? Attendez, désolé, j'arrive pas à lire le chat. C'est encore pire que Smash. Comme je suis nul au jeu, bah j'essaye d'être full concentré. Et comme j'ai beaucoup de talent, eh bien je meurs pas. Du coup je peux pas lire. Vous m'excuserez hein. Ah voilà, j'ai fait exprès. Zach Carton. Zach Carton. Oh. Merci Prisco. C'est ça? Merde, putain ça joue. Prisco pour le follow. Comment il va Prisco? Et comment tu vas Azer d'ailleurs? On s'est dit bonjour. On sait que t'es un perso d'animé. On n'en sait pas plus sur toi. On veut savoir où t'habites. Combien de frères et sœurs tu as. Et ouais, du coup, Zach Carton, les gens étaient très très chauds. Je suis sorti tour 2. Et on a un PKW qui a pété un câble aussi. Un PKW. Ça va, et toi, je peux venir. Bah, fais-toi plaisir. Moi, j'aime pas les matchs pro. Bah, c'est le meilleur Axil. C'est quand même mieux que de colorier juste la map. Tu peux venir, Prisco, mais comment on fait dans ce jeu de mort, là? Parce que j'ai pas l'impression qu'on puisse s'inviter et tout. Ça a l'air vraiment un peu naze, les matchs pro. Mais bordel! Bon, moi j'ai le temps de vous lire, c'est l'avantage. Les vêtements, retrouver vraiment le truc. C'est ceux gagnés au Salmon Run. Putain, j'ai jamais fait ça la méchante. Le Salmon Run, là, l'espèce de mode zombie de Splatoon. C'est pas mon truc. Je suis pas fan. Moi j'aime bien le versus, tu vois. C'est vrai que j'ai ça, moi. Au secours! Secours! Ça va nickel. Tu peux faire de la ligue à 2 ou à 4. Ah, mais de la ligue, il faut être chaud, non? Je suis pas maître Pokémon, moi. Ah mais oui, c'est vrai. Une fois, je voulais jouer avec Nizo et Oni. On était 3. Et à 3, en fait, tu peux rien faire. C'est abusé. On pouvait pas faire de la ligue à 3. Et en plus, il faut être au moins niveau B, je crois, c'est ça? Placé B. Là, j'espère qu'ils vont faire un peu mieux pour Splatoon 3, parce que c'est quand même chiant hein, pour jouer avec ses copains sur ce jeu. Il faut tryhard, quoi.
On peut même pas jouer pour rigoler. Ou alors si, on va dans le mode classique tant aimé. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, lui hein? C'est B- minimum. Ouais, les gentils l'ont déserté. Ouais, bah tu m'étonnes. Mais c'est pour ça que je suis S+, en vérité. Hein. Là, actuellement, je suis S+, en défense de zone. Mais c'est parce que j'ai joué au début du jeu. Et qu'au début du jeu, bah t'avais des grosses merdes comme moi, quoi. Et maintenant, il y a plus que des gens chauds. Ça commence à devenir chiant. Très bien, on s'est fait taper. Alors, attends. Ton code de carte bleue. J'ai... Ah, t'étais parti aux urgences, Zacarton ? À ce point-là ? Ah, c'était au moment... Ah, d'accord, tu parlais de l'arène Pokémon. Ouais, non, c'est l'arène Pokémon, c'était une arnaque. Zacarton, faut pas écouter les prédictions. C'était vraiment une connerie. C'était horrible, ce qui s'était passé. Faut être ami obligatoirement pour le classique et pro impossible avec des amis, donc pour jouer en pro t'as le mode ligue. Au secours, au secours. Si tu n'es pas B- ou plus, tu vas te faire pulvériser en ligue. La ligue c'est surtout des X, mais allez, je dois aller manger. Ah merde, ça marche, Prisco. Bonne app. Tu veux jouer, bah ouais, tu me rediras. Hein. On va essayer de faire de la Ligue à 2 si tu veux, mais t'as vu mon level. Hein. J'ai 9000 points. Oh, t'es 9000 points, t'es riche. T'es richissime. Vous avez combien de points de chaîne, c'est vrai, là? Avec le tournoi de samedi, il y en a qui ont gagné des thunes, il y en a qui en ont perdu aussi. Je veux bien savoir où on en est. Ah! Je vais bientôt devoir faire une tier list ou un freestyle ou un duel versus Salamation. Oh non, casse-toi, bouge. Oh, je suis naze. Oh, j'aurais pu faire quelque chose de beau et j'ai été nul. Au secours, mais ils sont trop forts. J'ai unfollow et refollow pour avoir une alerte, mais ça marche pas. Oh. Tu vas pas faire du win read en pro. Qu'est-ce que c'est? Du win read? C'est quoi du win read? L'OVNI. Merci Azer pour le follow. Maintenant que tu as follow, tu vas... Oh merde. Tu vas goûter aux insultes, attention. Plus tu donnes, plus tu reçois. Demande à Zacarton. Je me tire. Je... Ouais. Oh non, mais pourquoi elle s'en va tout là-bas? Je me cache. J'allais lui mettre une tête à lui. Par contre, il y a un truc à côté. Mais j'arrive pas à partir. Hein. Horrible. Wintrade. Trade. Bah, je sais toujours pas ce que c'est. Winthread ou Wintrade. Yes, bon app, hein, Prisco. Prisco. Sur quoi on fera un duel? Oh non. Oh non, Salamèchum. Salamèchum qui va duel Splatoon. Duel VIP sur Splatoon. J'ai perdu contre mon cousin qui avait jamais joué. Et qui a 2 ans et demi. C'est le moment, les gars. Ouais. Reprenons cette zone. Bah, c'est déjà fait, merde. J'ai l'impression de servir à rien. Oh, j'ai buté un mec, je sers. Je sers mon pays. En gros, des gens qui jouent en pro ensemble pour aller gagner des points. D'accord, oui, mais bon, tu vas pas me dire que c'est normal de pas pouvoir jouer avec ses amis en pro si on est 3. Il faut être 2 ou 4 en ligue, c'est horrible. On veut juste jouer avec nos amis sur des matchs un peu plus stylés que des matchs où il faut colorier tout le terrain. Et j'espère que ça va être... Oh, il y en a un qui s'est suicidé. Est-ce qu'on compte que c'est moi qui l'ai tué? J'ai encore ma spé. Spé mat. Allez, c'est pris là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Tu nous emmerdes tous. Mais je suis derrière le mur.
Des matchs truqués. Oh, ok, j'ai compris. J'ai compris le délire. Ah ouais, on fait un combat comment ça? Madlax le mécène. Est-ce que je vais réussir à le tuer? Oui, mais alors là! Alors là, à ce kill. Là, vous savez. On dirait un jeu GameCube, l'interface et tout. Attends, tu veux te fâcher avec moi là? Comment ça on a perdu? On a full gagné. Tu peux pas imposer tes règles pour le duel, ça, Mesham. C'est un duel sur un jeu, enfin. Tu vas pas me mettre un handicap de ouf, tu vois ce que je veux dire? Comment ça? J'ai plus de fissures. Combat avec les mêmes armes sur Splatoon. Non, pas avec les mêmes armes, juste duel. Juste duel, quoi. Bon duel. La ligue, c'est des matchs plus coopératifs. Ouais, mais si on est 3, on peut pas jouer. Mais oui, mais si on est 3, on est 3 amis, on peut pas jouer, c'est horrible. Ça reste horrible. Il faut plus de modes, je sais pas, il faut faire quelque chose. Tous les autres jeux, il y a aucun autre jeu où c'est comme ça. Tu peux toujours jouer avec tes amis. Pour une fois que c'est moi qui râle après Nintendo et c'est vous qui les défendez, vous êtes vraiment de mauvaise foi, hein. Nintendo et les FPS, c'est pas le must. Alors déjà, c'est pas un FPS, c'est un TPS. Et c'est le premier Nintendo. Et ils ont inventé un jeu, ils ont inventé un truc qui est vraiment très jouissif. Après, c'est sûr que l'interface... Moi, j'aime bien l'idée, l'interface un peu... C'est un peu lent. Il y a une petite ambiance. Et une ambiance dans le hub et tout. Mais c'est vrai que c'est un peu trop lent au bout d'un moment. Et pas très pratique. Faut bien l'admettre. Oh non. Mais je suis un sniper, tu... Boum ! Tu es tué ! Attends, regardez, c'est l'argent ou le mur ? Mais non ! Oh, ça veut... Vas-y, pop, pop. Pop culture. J'ai plus de... Ok. TPS, bah oui, attends. Mais le concept et tout, c'est cool. Oh mais non, mais je me fais fumer ! Parce que je lise à carton. Duel garde du Nord, ah bah let's go, hein. Je suis chaud. Salamèchum. T'as beau faire 1m80. On y va. Ouh. Hop, sous la pluie, j'en ai plus rien à foutre. Je préfère ça que Splatoon en tout cas. Est-ce qu'on a le droit de ramener des amis? Putain! On me target? Suis-je l'homme à abattre? On dirait bien. Ah mais... Ah mais production! Je vois pas ce qu'il a pas de pratique, t'appuies sur X, il a tout à portée de main. C'est pas que ça le problème en fait. C'est pas vraiment ça le problème. C'est... Le temps d'attente entre les matchs, un peu de tout quoi. Puis même tu fais X pour aller acheter des chaussures, mais après pour aller acheter des armes là c'est un autre shop. C'est compliqué en vérité. Mais... Il y a ambiance. Et ça, c'est bien. C'est pas comme Halo Infinite où t'es dans le menu central, là, le menu principal, t'as la musique qui est stylée, mais c'est tout. L'écriture, elle est en Arial, Arial 15, Police 15. T'as la section boutique qui est dégueulasse. Vas-y, atterris! Boum! Quoi? Mais comment il est pas mort? Je comprends pas. Je comprends plus rien. Y'a pas ce problème au Japon. Ah ouais? Et ils sont... Y'a trop de joueurs au Japon. Ils jouent trop à Splatoon. Ils ont kiffé le jeu. Enfin, c'est pas normal que nous, on doit attendre autant. Enfin, après, je dis ça, mais en vérité. J'ai pas attendu tant que ça pour jouer, là. J'ai pas l'impression, en tout cas. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Pourquoi c'est moi qui critique? Pourquoi c'est moi qui cherche les critiques, là?
C'est bon, moi aussi je vais défendre Splatoon. Non, mais trop bien Splatoon. L'interface, au moins... Ouais, il y a une ambiance, quoi. Ce que je disais, c'est pas comme Halo, là. À part la musique, y'a rien. Pas d'identité, le truc. Non, on sait que c'est Splatoon, c'est beau. Putain, j'ai déjà plus de balles. Ouais, mais nous, on pue. Mais comment ça? Tu fais ZR et tu changes... Mais en fait, vous parlez trop vite. Nous, on pue grave pour les Japonais. On n'a pas le droit à du bon online. Enfin, pour Nintendo, en tout cas. Oui, voilà, pour le shop, tu fais ZR, mais je le savais quand je te l'ai dit. Mais il faut que je cherche des petits trucs, là. C'est compliqué, c'est compliqué. Fallait bien que je trouve la petite bête. En tout cas, t'es un bon défenseur de Splatoon, bravo. On a besoin de toi dans l'église Nintendo. Oh, tu crois qu'on t'a pas vu, toi? Je crois que je t'ai pas vu, tiens. Qu'est-ce que tu contournes? Personne. À part la loi. Le nan de Smash, etc. Attends, c'est tellement vide et creux, de quoi tu parles, Zacarton? Tu parles de Splatoon, là? T'es un fou, par contre. Justement, il y a une meilleure ambiance sur le hub de Splatoon que sur Halo. Mais vous avez joué au FPS de maintenant? Mais c'est horrible, les menus. Rien que la section boutique, elle dégoûte. Genre, t'es là, t'as acheté ton jeu, il y a une section boutique, elle est dégueulasse visuellement, et ils te demandent de payer des vrais crédits pour acheter des skins de merde à des prix exorbitants. Comment ça casse les couilles aussi? Tu joues à Halo, Didi? Ben, je jouais à Halo. On se fait une game à l'occasion. Si tu veux, il y a Shingling aussi qui voulait faire une game de Halo 1, de Halo... C'est Infinite, c'est ça? Après, je suis tellement naze à Halo. Mais c'est pareil, pendant ma période Xbox, bah, je jouais beaucoup à Halo Reach. J'adorais ça. Par contre, c'est ce qu'il faut faire, c'est Mario Golf. Ah, par contre, Mario Golf, c'était un vide. Ok, d'accord, ok. T'es pas assez nerveux, Didi. Non, là, je suis gentil, là. Là, je suis calme. Je suis hors 3. Alors là... Je sais même pas, moi j'ai dû faire 3 games, je sais même pas si je suis classé. On fait un combat dans le match privé. Axil. Attends, je fais une dernière. Je fais une dernière en comme ça là. Avec des gens bien trop forts pour moi. Regardez les niveaux! Ils ont tous une étoile, ils ont 99 et tout. Zacarton, il faudrait qu'on trouve un... Un moyen de faire un petit truc sur... je sais pas comment il marche le online de Mario Golf. J'aimerais bien qu'on fasse un petit 18 trous comme ça, là. 18 trous avec Zacarton. Moi, je suis trop chaud, hein. J'adore ce jeu. Je suis naze. C'est comme Splatoon, en fait. J'adore, mais je suis trop nul pour Mario Golf. Des fois, sur Mario Golf, j'essaye des trucs, des bails avec des effets incroyables. Mais en fait, je fais n'importe quoi. La balle, elle part dans tous les sens, ça se prend un arbre, et après, je suis Keblo. Mais au moins, je me suis bien amusé. Et ça, c'est le plus important. Attention à la pluie. Il fait toujours beau. Chez moi, il fait beau. J'adore cette couleur. Putain, le bleu et le jaune, là. C'est tellement la meilleure couleur de Splatoon. Les meilleures couleurs. C'est tellement la joie de vivre. C'est tellement l'été. C'est le soleil et la mer. Bleu turquoise. Là, je suis bien, là. Là, j'ai envie de jouer à Mario Sunshine. J'ai envie de bronzer. Au secours. Splatoon 2 a pratiquement 5 ans, c'est vrai. Mais on est en 2000... Ouais, il a 4 ans et demi, en fait, là. Il a 4 ans et demi, le jeu. Et en plus, il... il a pas énormément évolué par rapport à Splatoon 1, qui est sorti, quoi, en 2014 2012 c'est rien. 2014, je crois. L'interface est meilleure, mais... Bon, je fais n'importe quoi. Mais ce pinceau man, là, il commence à me... Ton frère est classé Onyx sur Halo, c'est le top rank. Mais ton frère, il m'énerve, Zacarton. Ça a l'air d'être un génie qui... Ça a l'air d'être un génie qui a pas envie. Un génie qui a la flemme. On l'a jamais vu sur Smash, nous. Il est jamais venu. Merde, je crois que j'étais KO. Je me fais fumer, c'est le gameplay, le pire gameplay. C'est totalement un des premiers jeux Switch, ouais.
La Switch est sortie le 3 mars avec Zelda Breath of the Wild. Il y avait Snake Pass aussi dans le dans l'eShop. Il y avait futur, pas RMC, mais quasiment presque RMC. Une espèce de F-Zero, mais du pauvre. Il y avait en avril, Mario Kart 8 Deluxe qui est sorti. Et mi-juillet, il y a ce jeu qui est sorti, voilà. Le lancement de la Switch. Ah, il y avait One to Switch aussi. Je suis mauvaise langue. Putain, j'ai jamais joué à ce jeu d'ailleurs. One to Switch. Perdu dans... Mais non, mais je me fais fumer de... Splatoon devait être un jeu Mario avec des lapins. Un génie sans aucune confiance. Alors, se reposer sur leur laurier, je suis pas sûr que ce soit vrai, ça. Hein. C'est qui a dit ça? C'est Zacarton encore? C'est encore Zacarton qui a dit de la merde. Nintendo se repose pas sur leur laurier, hein, c'est pas vrai. Hein. Splatoon, c'est une nouvelle licence déjà, qui est sortie sur Wii U. Donc déjà, c'est pas... Ils ont fait un TPS. Un TPS avec de la peinture, donc c'est carrément pas leur laurier. Et ils innovent dans plein de jeux. On peut dire oui, c'est toujours des Mario, c'est toujours des Zelda et tout. Zelda Breath of the Wild, il casse complètement avec la franchise Zelda. Quand tu vois les Fire Emblem, chaque Fire Emblem, ils détruisent une partie de ce qu'ils avaient créé. Et ils font un tout nouveau système et tout. Alors certes, dans le principe, ça reste le même, mais c'est normal, c'est la même licence. Et pour moi... Nintendo se repose pas sur ses lauriers, hein, c'est faux. Hein. Ring Fit, exactement. Arms. Mais ouais, mais c'est des jeux de niche. Attends, quel jeu de niche? Qui est jeu de niche? C'est toi le jeu de niche. Ils se reposent pas sur leur laurier, mais bien sûr. Les lauriers. Attends, mais on dit ça? Mais le laurier, c'est pas un arbre. C'est quoi cette expression de merde encore? Pourquoi on dit des trucs comme ça? Mais moi, j'ai ma spéciale à chaque fois. Tu sais quoi, lui? Toi, t'es tombé sur le mauvais mec. C'est le mauvais jour. Il est mort ou pas? J'ai pas l'impression, ça me dégoûte. Faut mourir, mec. Je t'ai envoyé ma spéciale. Maintenant, je suis caché. Ah, il est là-bas. Crève. Il est là. Putain, il m'a démasqué. Juste pour... Mais Pokémon, c'est pas Nintendo, par contre. Là, je suis d'accord que pour Pokémon, il n'y a pas beaucoup de prise de risque. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment ce que veulent les fans? Sa gueule, ouais, Pokémon, ça prend pas de risque, mais... Dès qu'il y a des trucs qui changent, sa gueule. Après, ça peut changer et être de la merde. Mais là, tu vois, pour Légende Arceus, bah, ils changent, hein. Ils ont pris un risque. Alors, c'est peut-être de la merde, mais... Même Pokémon Company se repose pas totalement sur ses lauriers. Beaucoup plus que toutes les autres boîtes de Nintendo, mais Pokémon Company, c'est Pokémon Company, c'est pas Nintendo. Et c'est quoi cette histoire de Splatoon qui devait être un Mario avec des lapins, là? C'est quoi ces conneries, encore? Arms, le flop de Nintendo. Bah... C'est... Enfin... Ça change quoi que ça soit un flop ou pas? C'est une prise de risque. Ils ont fait un jeu de combat. Et en plus, c'est pas vraiment un flop, hein. Je pense que c'est un million seller aussi, Arms. Il doit être million seller, le jeu. Pokémon, c'est en partie à Nintendo, mais c'est pas eux qui prennent les décisions sur les jeux. Ils touchent une partie, mais c'est pas, ils ont pas leur mot à dire sur les jeux. Si on a ça, c'est parce qu'on achète. Genre Arceus, ni la chie, je le sens. Moi aussi, j'ai un mauvais pressentiment pour Arceus. Je vais le faire, le jeu. Mais j'ai un sale pressentiment. Il m'a jamais hypé, le jeu. Alors que, pourtant... Mais je le ferai, hein. Mais il sort vendredi, je l'ai pas préco parce que normalement je devais le préco chez Fnac parce qu'il y avait un steelbook, mais le steelbook il est plus disponible. Alors j'ai l'impression de me faire carotte. Donc j'attends avant de pouvoir l'avoir. De toute façon je vais même pas l'avoir vendredi du coup le jeu. Les gens sont plus exigeants envers Nintendo, tout le monde s'en fout de code 56 qui a le même que le 46 et les FIFA, on est bien d'accord. Le semblant de Breath of the Wild, de quoi on parle?
Non, en plus, je crois que c'est plutôt un Monster Hunter en vrai. C'est même pas un monde ouvert. Tu veux faire quel mode de jeu? Bah, tu sais quoi? Attends, non, mais Axile, je vais. Tu sais ce que je vais faire? Regarde. Hop, je te rejoins. Voilà. Les gens sont pas plus exigeants avec Nintendo aussi un petit peu. Un petit peu parce que Nintendo, ils ont beaucoup de thunes, mais ils investissent pas énormément. C'est ça qui pose problème. En fait, ils prennent des petits risques, c'est pas vraiment des risques, mais. On peut pas dire qu'ils renouvellent pas. Ça m'énerve les gens qui disent y a pas de. Il n'y a pas de nouveauté. Nintendo, ils ont ils ont les plus grosses licences de l'histoire. Ils en ont 10 000 qui sont toutes cultes. Et vous voulez pas qu'ils les exploitent. Alors qu'en plus, Mario, genre, c'est le Mario 3D, il n'y en a pas énormément. Donc quand il y en a un qui sort, c'est trop bien et c'est toujours différent. Zelda Breath of the Wild, ça n'a rien à voir avec les autres Zelda et ça a tout défoncé. C'est trop bien. C'est le meilleur jeu de l'histoire. Tu prends Fire Emblem, c'est trop bien. Toutes leurs licences sont bien. Et en plus de ça, ils font des nouvelles licences. Ring Fit, on a dit Arms, Splatoon. Il y avait. Il y a plein de licences de merde aussi, enfin des licences de merde. Ils font des petits jeux que vous passez à côté, la Stretcher et comment il s'appelle Big, le petit jeu où t'es dans un bureau et tu casses tout sur l'eShop. Non, j'ai pas vu les leaks à la Mechum et j'ai pas envie de voir les leaks. Moi, je me préserve des spoils. Ouais, bah Pokémon c'est la licence, c'est en fait c'est la plus grosse marque. Genre ça génère plus d'argent que Mickey ça. Putain, on est sur Tour Jirel, je suis face à Axil, incroyable. Qu'est-ce qu'il faut faire, c'est le Bazookarp? Oh non, Axil, il va me fumer. Je vais me faire fumer par Axil, les gars. Je suis le pire joueur de l'histoire. Je suis mort. Incroyable. Bah alors, Axil... Putain, mais je sais pas viser, ça, par contre, c'est... Ça me frustre. Bon, comment on fait Axil? J'arrive pas à te tuer, je vais m'énerver. je vais m'énerver, bah il a gagné. Oh, j'ai été ridicule. Oh, j'ai été ridicule, ah! Au revoir. Oh, c'était pathétique. Bon, bah ça la méchame, effectivement, si tu veux me prendre, tu vois ce jeu là. Hein. Bien joué Axil. Hein. Fire Emblem, c'est de niche, ça marche pas partout. Genre en Europe, voilà quoi. T'es un mytho, ça, la méchame. Ça marche bien maintenant, Fire Emblem. Depuis Awakening, ça marche plutôt bien. Ça reste un peu niche, on est d'accord, mais. Mais faut arrêter avec les jeux de niche. Mais putain, vous m'énervez avec vos jeux de niche. Les jeux, c'est des million sellers. Même Astral Chain, c'est un million seller. Et vous venez me faire chier avec vos jeux de niche. C'est quoi un jeu de niche? Ça veut rien dire. Nier Automata, c'est un putain de jeu de niche. Uncharted, c'est un jeu de niche alors. Vous m'énervez là. Moi, j'y ai pas joué à ces jeux. Fire Emblem, c'est de niche, mais c'est pas de niche. Avant, c'était de niche. C'est plus vraiment de niche, Fire Emblem. Et puis, on s'en bat les couilles. Fire Emblem, WarioWare, toutes leurs licences, elles sont incroyables. Regarde, moi, je vois mes jeux, là. Je vois mes jeux. Je deviens fou. Trop de jeux stylés. Metroid. Vous allez me dire, Metroid, c'est de niche. Mais Dread, il fait 5 millions de ventes, c'est de niche. Splatoon devenu culte en un seul jeu, ouais. Surtout au Japon. Hein. Au Japon, ça pète Splatoon. C'est comme le jeu de Shulk. Xenoblade. Alors, Xenoblade, là, tu...
En plus, là, même ça, vous me dites c'est de niche. Xenoblade, c'est de niche. Xenoblade, million seller, et c'est trop bien. C'est trop bien comme jeu. Pourquoi c'est de niche? Mais parce que vous êtes des connards. Vous continuez à jouer à FIFA, bande de bâtards. Alors qu'il y a Xenoblade à côté. Vous m'énervez. Ça devrait pas être de niche. Les whips, c'est plus de niche. Tout le monde joue à... Tout le monde regarde des animés, là. Donc tout le monde devrait être fou devant Xenoblade. Particulièrement le 2. Xenoverse Chronicle. Non, Xenoblade, putain. Xenoverse Chronicle, c'est... Xenoverse Chronicle, c'est un... C'est Dragon Ball. Paf! T'es à moi, Axile. Attends, par contre, toi, je suis en retard sur... Sur le chat, hein. Désolé, les gars. J'adore les débats et tout. Je vais sûrement sauter des lignes. Donc s'il y a un truc important que vous vouliez dire, n'hésitez pas à le renvoyer dans le chat. Parce que je vais lire quelques trucs. Comparé à l'Asie, ça marche moins. De quoi? Un Pokémon de Hello Kitty, Winnie l'ourson, Mickey, Star Wars. Ah ouais. C'est quoi ces stats là? Axile. Tu vas faire du zouk autour du poteau? Axile. Vas-y, zouk, zouk. Zouk machine. Bam. Par essence, c'est des jeux de niche. Ils sont pas dev pour nos marchés, c'est juste que l'import de la culture nippone est beaucoup plus démocratisé. Tout le monde a lu un manga, etc. Quand j'avais 15 ans, en dehors de DBZ, les mangas, c'était de niche. Ouais, mais même quand on avait... Oula. Même avant que ça soit la culture nippone soit bien intégrée en Europe et en Occident en général, Nintendo, ça claquait déjà des culs. À l'époque de la NES et tout. Donc c'est pas forcément ça, hein. Viens m'attaquer, Axile! J'arrive pas. Let's go! Axile auto. Putain, je suis sous le truc. La niche, ça a jamais été péjoratif. Non, mais je vois pas en quoi ça illégitime... le fait que ça soit un jeu soit de niche, en quoi genre bah du coup Nintendo ils prennent pas des risques puisque c'est des jeux de niche, je comprends pas. En fait ça change quoi que ça soit un jeu de niche ou pas? De fait c'est là, de fait c'est présent, ça se vend extrêmement bien, c'est stylé, ça change, ça se renouvelle. Donc je vois pas en fait, il y a pas de... Ça met pas en cause l'essence du jeu qui est d'être niche, mais je comprends pas. Ça veut dire quoi être de niche si ça se vend beaucoup? Si ça se vend beaucoup, c'est plus forcément de niche. Il faut définir ce que c'est un jeu de niche. Hein. Moi je sais pas. À partir du moment où... Où il y a des millions. Elle est grande la niche. Hein. On fait rentrer des clébards, hein, je vous le dis. Et vous êtes des gros clébards. Nintendo, c'était une société niche avant la Switch. Selon eux. Et encore, mais. Nintendo, ils font que monter et descendre. En vérité, ce qu'il faut voir avec Nintendo, c'est que. J'ai l'impression que quand ils sont dans la merde, ils prennent énormément de risques. Ils claquent leur thune en recherche et développement pour faire des trucs de fou. Oh, Captain Pakku! Mais ça y est, Captain Pakku, ça fait un an du coup! Captain Pakku, c'est le 13ème mois là! Ça fait un an qu'il est abonné! En plus, oh, ah bah oui, en plus vous l'avez vu dans le titre! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'affiliation. Ou plutôt, c'était hier, je crois. Ça fait un an qu'on est affilié à Twitch. Merci beaucoup, Captain Pakku, pour le sub et comment tu vas? On est en train de débattre sur Nintendo là, ça me fait beaucoup plaisir. Je sais plus ce que je disais, putain. J'avais des arguments en béton là. Par contre, on va jamais s'en sortir, Axile. T'es mort. On est tous les deux morts. Mais millions, c'est rien. Mais t'es un fou, toi. WarioWare, c'est de niche. Wow.
pas que je laisse aller trop loin. Et voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on gagne. Salut Madlax, le Sanic, comment ils vont? Comment vont tout le monde là? Ce sont des risques payants à chaque fois. C'est ça, en fait, c'est ça que je veux dire, ils claquent leur thune. La Wii, c'est un échec commercial de fou, mais au moment de la Wii, eh ben, c'est là où ils ont sorti Splatoon. Ils ont pris des risques de fou, ils ont fait des jeux incroyables. Bon, j'ai pas d'exemple en tête. En fait, non, pendant la Wii U, il n'y a pas... Si, il y a quand même des prises de risques sur la Wii U, mais... c'est à ce moment-là qu'il y a eu les Amiibo, il y a eu dans Nintendo Labo, c'est la Switch. Non, bah, je dis des conneries. Non, par contre, si regardez la GameCube, en revanche, échec commercial, mais c'est là où ils ont pris beaucoup de risques avec les jeux. Où tout a changé. Le Wind Waker, le Zelda qui est parti en cel shading. En cel shading. Notamment. Smash 4, ouais, mais Smash 4, en quoi c'est une prise de risque en vérité, je sais pas. Mario Galaxy sur Wii. Non, Mario Sunshine, c'était une vraie prise de risque, par contre, sur GameCube. Mario Galaxy, c'est très innovant. Est-ce que c'est vraiment une prise de risque? Je ne sais pas. En fait, ils ont inventé plein de trucs. Et d'ailleurs, voilà, la GameCube qui se lance au lancement, c'est un Luigi, c'est pas un Mario, c'est Luigi Mansion. Le jeu qui sort nulle part, là. Qui n'a aucun sens. Je sais même plus sur quoi on se bagarre en fait. On était parti en mode c'est... Merde. Je sais même plus sur quoi on se bagarre. Mais dans tous les cas, Nintendo, il vous est... Oui, GameCube, grave échec commercial, Madlax. Énorme échec commercial, la GameCube. Elle s'est moins bien vendue que la Nintendo 64. Genre, on est à combien de ventes pour la GameCube? On doit être dans les 25 millions de ventes hein, seulement. Pour la GameCube, je crois. Hein. Ou 30 millions, quelque chose comme ça. Pas plus, hein. GameCube, c'est un bête d'échec commercial. Hein. C'est fait rouler dessus par la PlayStation 2. Mario Striker chargé de football. C'est vrai que c'était incroyable. C'était incroyable la façon dont ce jeu est... En fait, le visuel de ce jeu... est très étonnant pour un jeu Nintendo. T'as Axel qui a arrêté de jouer parce qu'il savait qu'il m'avait fumé. La Wii U et Zelda Breath of the Wild. Alors Breath of the Wild, ouais, c'est entre la Switch et la Wii U. Mario Kart 8, c'était pas de luxe, attention, ça c'est la Switch. Splatoon. Super Mario Maker, oui, effectivement, sur Wii U. Après, bon... Ah, il y a Xenoblade X, incroyable ce jeu. Star Fox Zero. En fait, je regarde un peu mes jeux, là. Il y a Pokken qui est sorti sur Wii U. Mario, c'est jamais une prise de risque. C'est pas vrai. Franchement, le Sunshine... Bon, c'est pas une vraie prise de risque, parce que tu sais que ça va se vendre, mais... Mais après, bon, est-ce que tu peux en vouloir à Nintendo de faire ça, quoi? C'est normal, et moi, je suis content hein, qu'ils sortent des jeux connus. La vidéo de Seven dessus est excellente d'ailleurs. Que Fire Emblem à la base c'était un jeu de niche. Je sais pas si j'ai vu cette vidéo. Mais oui, à la base Fire Emblem. On peut dire que c'est de niche, mais. Awakening ça a ouvert les bails. Hein. Ça a ouvert les chakras. Maintenant j'ai. C'est grande niche alors si vous voulez, mais c'est une énorme niche. Même Fire Emblem. Breath of the Wild est un jeu Wii U. C'est un jeu Wii U et Switch, comme Twilight Princess. Pour moi, Twilight Princess, c'est un jeu Wii. Je l'ai fait sur Wii, Twilight Princess, étonnamment. Alors que c'est moins bien. Il y a de la mouvement, c'est chiant. La GameCube, elle est incroyable hein, niveau jeu. 22 millions la GameCube. Eh, j'avais dit 25 millions. Il est pas chaud le Diddy Kong? Est-ce qu'il a pas une culture? Utilise ton ulti. Merci Azer, c'est vrai que j'utilise jamais mon ulti. Mais quand j'utilise mon ulti, j'arrive pas.
Je fais n'importe quoi avec. Très brut comme le gameplay. Pikmin 3, effectivement sur Wii. Tropical Freeze aussi. Captain Toad. Mario 3D World. Casser le game avec une console portable. Ouais, mais c'est à l'époque de la Game Boy, ça. Et en fait, j'arrive pas à concevoir ça comme des prises de risque. C'est pas une prise de risque, c'est aller sur un marché qui n'existe pas, l'océan bleu, et faire des trucs stylés. Oh. Moi, j'arrive pas à... Ce que vous reprochez à Nintendo, j'arrive pas à leur reprocher. Ce que je reproche à Nintendo, c'est leur online de merde. C'est d'avoir plein de pognon, mais de pas en dépenser énormément. Ils pourraient faire des projets plus monstrueux. Les Pokémon, ils pourraient donner des équipes à Pokémon. Tu vois, ils pourraient soutenir Pokémon, parce qu'ils font pitié. Pokémon, c'est le truc qui rapporte le plus d'argent au monde, là. Et c'est des petites équipes qui travaillent sur Pokémon, ça fait tiep. Ça, c'est dégueulasse, tu vois. Ils s'assoient sur leur Tador, là, comme ça, la méchante. Tador. Faudrait peut-être que je me mette loin hein, avec mon snipe. Ce serait peut-être une bonne idée, non? Parce que là, je vous parle, et mon gameplay est plus la merde. Et tout le monde se fait chier. Mais je suis nul à chier, c'est incroyable. Axil est en train de m'entraîner au jeu. Par contre, c'est quoi le but du jeu, là? C'est juste de se tuer? Ah. C'est quoi le but du jeu, là, Axil? Ça tient chaud, l'or. Putain, c'est froid, l'or. Ah, là, c'est guerre de territoire! Mais je suis dans la merde avec mon snipe, moi. Je suis dans la double, là. Qu'est-ce que tu me fais, là? Moi, je vais juste te fumer, en fait. Viens, on se tue juste. Viens, on joue à Call of. Bim! Mon game plan sur Splatoon. Rouleau into pinceau. Into down smash, le saut. C'est Game Freak qui veut pas embaucher. Mais eux aussi, ils cassent les couilles. Ils veulent pas embaucher, mais Nintendo ils ont des parts, ils ont qu'à leur dire vas-y, cassez les couilles, on vous envoie une équipe, vous avez pas le choix. Monolith ils auraient pu les aider sur le. sur Arceus putain, ils auraient pu faire un monde ouvert. Monolith ils sont trop forts sur les mondes ouverts, ils ont aidé pour Breath of the Wild. Résultat, bah, meilleur monde ouvert du monde. Et là pour Arceus, les mecs ils font leur truc là, et ça va être de la merde en boîte. Alors j'espère que ça sera bien. Je dirais pas non, mais. Ça pue du cul un peu. Oh là là. Comment il m'a tendu un piège, Axil. La Switch, elle est pas portable, qu'est-ce qu'on raconte? C'est forcément plus de niches que les RPG européens. Maintenant, il y a des niches de tout. Mais de toute façon, pourquoi on parle des niches? Pourquoi parle-t-on de niches? C'est mal les niches? C'est bien les niches. On dit jeu avec petite communauté mais très active. C'est ça le souci. Mais c'est pas un souci que ça soit une machine Afrique. Ils vendent beaucoup et c'est mérité. Après, il faut qu'ils investissent, quoi. C'est ça le problème. Yep. Je peux essayer de vous 1v2. Bah viens. Viens nous fumer. Attends, tiens. Ajoute-moi en ami. Comme ça, tu vas pouvoir nous rejoindre. Nintendo, ils sortent pas de leur business. Ça les tuera peut-être un jour. Mais non, mais ce qu'on disait, c'est...
Nintendo, en fait, ils font une trésorerie. Et quand ils sont dans la merde, ils ont été dans la merde, Nintendo, période Nintendo 64, GameCube. Et là, ils ont investi à ce moment-là en recherche et développement pour sortir la Wii. Alors qu'ils étaient dans la merde et ils avaient une trésorerie grâce à quoi ? À la NES et à la Super NES avant. Donc après, ils étaient dans la merde, ils ont investi pour sortir de la merde. Ils ont sorti la Wii et la DS. Et la DS, là, c'était l'âge d'or de Nintendo. Hein. La DS sur le portable qui a pété. La Wii, pareil. L'iPad. Donc là, après, ils se reposent sur leur laurier. Enfin, et encore, on dit ça. Mais ils ont sorti des jeux sur Wii. Hein. Et c'était bien. Enfin, pas tous, mais c'était bien. Et sur DS, il y avait des vrais jeux aussi. Mais, je veux dire, ils recherchaient... Ils mettaient plus grand-chose en recherche et développement, tout ça. La Wii U est sortie, big échec commercial. Boum, on remet tout dans la recherche et développement. On sort la Switch. On innove, on fait des trucs stylés. On fait des bons jeux qui sortent finis. Même s'ils prennent du temps. Alors, pas tous, certes. Mais les gros jeux qui sont importants... Mario Kart, Splatoon, Zelda, Mario. Voilà. Est-ce que tu peux nous rejoindre du coup comme ça là, Azer? Si on reste ici. Ils ont une fanbase qui est quasiment fanatique, sans méchanceté. Parce que souvent les fans de Nintendo sont des fans hardcore. Et du coup, ils font beaucoup de titres simples, beaucoup trop casus. J'ai l'impression que c'est devenu une console pour enfants, quand je vois la difficulté de certains jeux. Alors qu'à côté, il y a des trucs comme Smash. Même si c'est particulier, Smash. T'as des notions complexes et un niveau potentiel de demi-dieu après avoir vraiment sué sur le jeu. Mais à carton, pourquoi il y a des fans hardcore? Mais parce que les jeux, ils sont incroyables. En fait, c'est ceux qui accrochent pas à l'univers et à toute cette ambiance... Je comprends qu'il peut y avoir des problèmes sur... Enfin, ils peuvent penser... Qu'est-ce qui se passe, là? Tu joues, Alix, il faut que tu viennes avec moi. On va dans l'équipe Bravo. Est-ce qu'on peut faire ça? On n'a pas le droit de faire du 2v1? Mais du coup, oui... Tu peux comparer des jeux avec d'autres éditeurs et... d'autres développeurs. Et si tu prends des critères purement objectifs, ce qui n'existe pas... Effectivement, tu peux trouver des meilleurs jeux ailleurs, mais Nintendo, ils ont le plus grand parc de licences différents, ils ont plein de trucs différents, et comme tu dis Smash, bah tu peux être un demi-god, et même les jeux casus, hein, Mario Kart, il y a de la compète, Mario Tennis, il y a des gens qui sont demi-dieux dessus, tu peux être autant casu que PGM, Pokémon, tu peux y jouer pour faire l'aventure, mais derrière, il y a tellement de trucs à faire sur Pokémon. Les Zelda, même si c'est facile. Encore, c'est pas si facile. Le Mario était facile, tu peux t'aller 100%. Franchement. Mais pourquoi Axil, il peut pas venir, là? Bon, bah jouons. C'est une reproche qui est applicable à d'autres constructeurs, sauf que Nintendo, ils ont plein de licences. C'est eux qui en ont le plus. 4 licences, c'est Doge. Mais comment ça, 4 licences? Mais non, là, vous rendez fou. Non, ça, Zacarton, je peux pas. Ça m'énerve qu'on dise qu'il y a que 4 licences, ou que c'est toujours les mêmes jeux. Alors qu'aucun autre constructeur a autant de licences. Et après, si je vous sors des licences, je vais me dire, oui, mais ça, c'est de la merde, ça, c'est de niche. Mais non. C'est parce que toi, tu n'aimes pas. Mais en tout cas, t'as quand même des licences Nintendo que tu aimes. Donc imagine pour quelqu'un qui aime plus de licences que toi sur Nintendo. Bah... C'est un truc de fou. Ça me fume. Comment j'ai deviné où t'étais? Alors là... Toi, te cacher face à moi. Tu ne te cacheras pas. Par contre, défense de zone, je suis un peu dans la merde. C'est chiant le sniper un petit peu, non? Il est là. Je l'ai vu. De mes yeux.
Il me stream hack. Il sait pas où je suis. Boum. Alors là, vous avez vu du gros gameplay là. Faut clip zat. Hein. Clip et zat. Faut clip. Faut clip. Le gros gameplay là. Non, il m'a vu. Il n'y aura pas de gros gameplay. Et merde. Par contre, oulala, ouais, je redescends. Salut, salut, Komisoka, putain. Heureusement que je suis redescendu dans le chat, sinon je t'aurais jamais dit bonjour. Désolé, j'ai dû sauter beaucoup de discussions. J'espère que vous vous lisez entre vous. Super Mario. Ah, les licences fortes, tu comptes là, Zacarton. Là, les licences Super Mario, Mario Party, Mario Kart. Après, faut voir chaque jeu aussi. Là, c'est quoi le problème de... C'est quoi ton nouveau problème, Zacarton? Simplement. Sans envoyer trop de messages pour que je puisse lire. C'est quoi ton nouveau problème? C'est qu'il y a trop de Mario? Que Mario est trop décliné? Didi l'embrouille. C'est juste que c'est souvent le même qui ont mis en avant. Mais comment ça? Bah c'est Mario quoi, c'est le perso qui fait vendre. Platoon compétitif et beaucoup de casus. PC Master Race, je suis pas d'accord là. Let's go le 2v1. Et Paco qui dit qu'il est d'accord avec Zacarton, j'espère pas surtout hein. Parce que Zacarton il devient horrible hein. Écoutez, moi je suis fan de jeux vidéo. Mais j'ai mes préférences en termes d'ambiance et tout. Et tu vois quand je vois cet univers coloré là qu'ils ont inventé avec Splatoon, mais c'est des choses qui me parlent beaucoup plus. Et avec tout le respect que j'ai pour Skyrim et tous ces jeux. Qui sont épiques, qui sont énormes. Bah moi c'est des trucs qui me parlent moins. Du coup j'ai jamais joué. Et je suis sûr que si j'y jouais, j'adorerais. Mais ça me parle moins. Moi je préfère mes jeux de Weeb. Je préfère jouer à Fire Emblem. Il me fume. On est deux et il va nous taper. Quand je te dis Nintendo, Mario, Zelda, Splatoon. Pokémon, Kirby, Metroid, Star Fox. Fire Emblem. Ring Fit désormais. C'est une grosse licence. Tu sais à quel point il se vend Ring Fit? Et il est victime de son succès parce qu'ils n'avaient pas préparé autant de stock. Du coup à chaque fois qu'il y a du restock, il se revend. Bon là ça commence à se calmer en Occident, mais au Japon c'est toujours pareil aussi. Le jeu il a plus de 3 millions de ventes au Japon, c'est n'importe quoi. Oh, il tape le sniper en premier. Star Fox, c'est un peu mort, effectivement. Mais après, on peut citer beaucoup de licences mortes. Earthbound. Le pauvre... Feu Earthbound. Mais t'as beaucoup de partenaires. Astral Chain aussi. Nouvelle licence qui appartient à Nintendo. Hein. On l'a pas dit, ça, mais Astral Chain, c'est une nouvelle licence qui appartient à Nintendo. Alors certes, c'est pas eux qui l'ont créé. C'est Platinum Game. Mais la licence appartient à Nintendo officiellement. Astral Chain, et vous allez me dire Astral Chain, vous y avez pas joué, c'est trop bien Astral Chain. Si ça essaye pas aussi avant de dire que c'est pas Master Race, mais j'ai non moi j'ai pas dit que c'était pas Master Race, je sais que c'est incroyable, je sais que j'aimerais bien y jouer, mais il faut faire des choix. Le Star Fox sur Switch, il y a un Star Fox sur Switch même, non sur Wii U tu veux dire.
Nice cool, j'avais pas tout ça, mais tu prends Smash Bros et tu vois tout. Il y a Kululin Squash, les gars. C'est Nintendo, Kululin Squash. Rhythm Paradise, WarioWare, Wario Land. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Il y a aucun autre constructeur qui est comme ça. Donc c'est horrible de dire, à part ces jeux-là, il y a rien. Parce que EA, ils font quoi? Déjà, c'est les plus gros... Parmi les plus gros éditeurs, ils ont quoi, EA? Ils ont Battlefield, et ils ont FIFA. Voilà. Il y a Blizzard. Super, Blizzard. Blizzard. Blizzard, si tu veux. Bah, écoute. Eh ben, il y a Blizzard. Activision Blizzard, Call of Duty. Non mais il y a pas de what. Mais c'est bien. C'est bien Blizzard. Mais enfin c'est comme Nintendo quoi. Ils ont plein de jeux, ils ont plein de licences comme Nintendo, sauf que Nintendo les licences elles sont mieux. Voilà. Missile en 2v2, lol. Désolé, Hazer, moi je joue un peu brainless, là, mais... On est en train de fêter les 1 an d'affiliation, hein. Et pour ça, on débat sur Nintendo. On va se battre, on va tous se battre. On va partir en mêlée générale, cette histoire. Je vais manger. Il fuit, en plus. Bon appétit, Zacarton. Il ose fuir. On est encore deux là? C'est moi qui est tout seul? Vous m'avez pas mis tout seul? Il est quelle heure? Il est 39. Du hardscope. Bam! Il était pas beau ce kill. Clipzat, Clipzat. C'est Axile. Je ne joue pas. Très bien. Ça se limite à Call of Duty Blizzard. Aussi, ça va pas aller loin. Mais non, mais je sais bien, Madlax. Oh là là. Je connais les jeux vidéo. C'est juste que si Nintendo ça se vend aussi bien, c'est pas pour rien non plus. Après, c'est pas parce que ça se vend bien que c'est mieux. Il y a des trucs qui se vendent pas bien et qui sont énormes. Chez Nintendo aussi. Intra Nintendo également. C'est vrai. Mais s'il y a autant de fans de Nintendo, c'est pas pour rien non plus quoi. Chacun est libre d'aimer ce qu'il veut. Moi je respecte beaucoup hein, les autres éditeurs, les autres trucs. Mais juste, il faut faire des choix en tant que gamer. Tu peux pas jouer à tout. Eh bien, je préfère à chaque fois faire mes choix vers Nintendo, parce que je sais que je vais kiffer. Et c'est là où j'ai envie d'aller. Je sais pas où il est Axil. Oh merde, il est derrière déjà. Comment a-t-il fait? Speedfax. Qu'est-ce qu'il raconte Kumisoka? Que Nintendo se vend mieux qu'une grosse licence PC. Bah... Ça dépend. GTA 5 c'est pas vraiment PC. J'étais à 5, oui, ça se vend plus. Non, je connais pas cette expression, Kumisoka. Il est en train de me stream hack, j'avoue. C'est quand tu dis la vérité. Tu me dis, t'es en train de me speedfax, là? Parce que speed, ça veut dire cracher. Ah oui, d'accord, je crache la vérité. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Kumisoka, de ton soutien. Non, ça fait plaisir que tu sois là.
Je crache des vraies infos. Attends, mais il faut regarder les chiffres de... Mais attends, je crois que vous êtes pas au courant des chiffres de vente de Nintendo, en fait, actuellement. Vous savez à combien elle est vendue, la Switch? Est-ce que vous voulez que je vous donne l'info? Madlaxio, je te donne l'info? Aujourd'hui, la Switch, à combien elle est vendue? Tu veux que je te le dise? Et chaque licence, tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise c'est quoi leur jeu? Les chiffres de vente de leur jeu? Je vais avoir flou, hein, je te le dis. Dis-moi, la Switch a dépassé la Wii U ce week-end. La Wii U s'était vendue à 101 millions d'exemplaires dans le monde. La Switch en est à 102. 102 millions d'exemplaires dans le monde. La Switch. 102 millions d'exemplaires. Et avec ça, des licences, des jeux qui se vendent. Animal Crossing, une trentaine de millions. Mario Kart 8 Deluxe, une trentaine de millions. Smash Bros, pareil. Trentaine de millions. En 25, je crois, des trucs comme ça. Tous leurs jeux sont million sellers. Après, ça descend un petit peu jusqu'à 10 millions. Pokémon épée bouclier, 25 millions. C'est débile. On m'a dit que ça se vend pas, hein. Mais moi, je suis en train de te dire que ça se vend plus que tout. Je vais me chercher une gomme. Détective Pikachu. 155 millions pour la PS2. La Switch, elle va se rhabiller. Ouais, mais seulement la PS2. Après, la PS3, la PS4 et tout, ça se vend super bien aussi. Ça s'est bien vendu. Mais là, la Switch, elle est mieux vendue que ses concurrentes maintenant. La PS2, c'était un ovni, hein. C'était aussi pour... En fait, la PS2, c'est pas que la console qui s'est vendue. Parce que quand tu regardes les chiffres de vente, c'est ce qui est important. Ce qui est important, c'est... D'ailleurs, allez, hop. Merci à tous, hein. Merci d'avoir joué. On va aller dans le hub. Bien joué, Axil, et bien joué, Azer. Comme ça fait une déco, j'en profite. Parce que je quitte dans 10 minutes. Donc, let's go dans le hub. On va parler. On va parler des vraies choses. Qu'est-ce qu'on disait ? Oui, les chiffres de vente des consoles. C'est pareil, la PS2, combien de personnes l'ont acheté pour avoir le lecteur DVD ? Combien ? Les mecs, ils achetaient pas de jeu, ils achetaient juste la PS2 pour avoir un lecteur DVD. Parce qu'à cette époque-là, les lecteurs DVD étaient plus chers que la PS2. Ça n'avait aucun sens. Par conséquent, il valait mieux acheter une PS2. Et si tu pouvais jouer à GTA Vice City par la même occasion, et ben... Ça faisait plaisir. Pourquoi le chat ? Attendez, je cherche à stabiliser le chat, mais il ne veut pas. Ça y est, toujours affiché les messages. Voilà. C'est quoi cet argument ? Mais c'est vrai ! C'est la vérité, Captain Pacou. On va parler des chiffres de... Une Switch égale 2 PS5. Au moins. Largement. Beaucoup plus, même. Les gens jouaient moins au JV. Ah ouais, tu remets ça dans le contexte, toi. Switch, c'est moins cher aussi. Moins cher que quoi ? C'est quoi un hub ? C'est toi le hub. Et voilà le hub. On est dans le hub du stream. C'est la place Delfino. C'est le château de la princesse stream. Le château de la princesse stream, là. C'était un lecteur Blu-ray surtout. Pas simple CD. PS2, c'était DVD. Hein. On n'était pas en Blu-ray encore. PS3 peut-être Blu-ray, mais... Dans ce cas, je te dis que la Switch, c'est la seule console portable du moment. Mais la Switch, c'est la seule... Enfin, Nintendo ont toujours dominé le marché de la console portable. Même quand il y en avait d'autres, ça faisait pas le poids. La seule qui a rivalisé, c'est la PSP, et encore, elle s'est fait fumer par la DS. Donc normal qu'elle se vend plus. Attends. Ah, parce que j'ai dit à propos du lecteur CD. Mais non, mais le lecteur DVD, c'est parce que ça a rien à voir avec les jeux vidéo. Les gens achetaient parce que la PlayStation, parce que c'était un lecteur. Là, Pacou, justement, je voulais qu'on parle des chiffres de vente des jeux vidéo. Les chiffres des ventes des jeux vidéo sur... Et tu vas voir que je vais même exploser Nintendo. Parce que les chiffres de vente des jeux vidéo par console, c'est là que la Switch, elle défonce tout. Parce que la Switch, elle a certes 102 millions de Switch vendus, mais je t'ai dit, les jeux, ils se vendent tous million seller. Tous, et quand tu vois les chiffres de Zelda, ça s'est jamais aussi bien vendu. Mario Kart 8 Deluxe, il est débile. Tous les jeux, ils sont incroyables. Ils sont incroyablement bien vendus. Alors que, sur PS2,
t'avais plus de consoles, mais les jeux ils se vendaient pas aussi bien. T'en as quelques-uns qui ont pété, bah les San Andreas, je pense à San Andreas, mais les jeux ils pétaient pas tant que ça. Tu me dis qu'il y a des mecs qui ont acheté une PS2 et ont jamais joué dessus aux jeux vidéo. Oui, Pacou, je te le dis dans les yeux. Je te le dis dans les yeux. Et la DS, c'est pareil, Madlax. La DS, tu sais pourquoi la plupart des gens l'achetaient? C'est parce qu'il y avait des putains de R4, elle était si facile. La DS, elle était trop facile à craquer. Et tout le monde avait des R4, même des connards qui n'y connaissent rien, comme moi en informatique, en tout. On avait des R4 et donc on avait tous les jeux. Donc quand tu regardes les chiffres de vente des jeux sur DS, à part les Pokémon, Mario Kart et tout, les chiffres de vente de la DS, ils sont nazes. Hein. Les chiffres de vente de jeux vidéo de DS sont nazes. Et même la Wii, quand tu vois les Mario Galaxy et tout, c'est pas incroyable, hein, à part Brawl et Mario Kart. Mais sinon, les chiffres de vente sur Wii sont pas fous. Skyward Sword, il s'est pas bien vendu et tout. Alors qu'il y a un parc installé de consoles incroyable. Parce que juste, la Wii, c'était une console de casu. Alors que là, la Switch, les gens, ils l'achètent et ils jouent. Et donc, les jeux vendent mieux. C'est ça que je dis. Dans la plèbe des consoles. Mais Madlax, c'est trop un PC furise. J'y crois pas. Mais Pacou, je t'assure qu'à l'époque où la PS2 est sortie, c'était le lecteur, le DVD le moins cher du marché. Donc forcément que les gens achetaient ça pour lecteur DVD. Je dis pas que la majorité l'achetait pour le lecteur DVD. Mais il y en a beaucoup qui ont la PS2 avec quoi? Les FIFA, les PES à l'époque. Ils ont San Andreas et c'est tout, quoi. DS, c'est pas... Oui, DS, c'est incroyable, mais moi, je claque quand même la DS sur le fait qu'elle s'est bien vendue, mais pas que les jeux, ils se sont moins bien vendus. Fury sans le PC. Tu mets une R4 dans la DS. C'était incroyable, la R4, quand même. Et oui, maintenant la Switch, bah forcément, ça réunit les joueurs portables et salons, mais ça c'est la stratégie. C'est la stratégie Nintendo, c'est pas, tu vois, on est toujours dans le jeu vidéo, alors que la PS2, eh bah, il y a le lecteur DVD qui est en dehors du jeu vidéo. 40 millions de personnes qui l'ont acheté pour un lecteur DVD, ça reste dessus de tes 102 millions. Oui, mais regarde les chiffres de vente des jeux, tu verras que sur Switch, les gens achètent plus de jeux. Parce que Nintendo est meilleur. Voilà tout. Et puis il n'y a que la PS2 qui contre exemple. Donc ça va. Hein. Sur le PC, tu peux tout faire à condition d'être riche, Madlax. C'est ça le problème. Et le piratage PS2 aussi, ouais. C'est vrai que c'était assez facile. Moi, je l'avais pas craqué, ma PS2, ceci dit. Vous avez vu, il y a sur la pancarte à droite, il y a les subs. Est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est les bons chiffres? Il y a les subs qui défilent, enfin les subs gift. Parce que je voulais remercier les subs gift. Alors que... Parce qu'il n'y a pas d'alerte pour les subs gift à chaque fois. Ça met les subs. Ça met ceux qui sont subs. Crac. T'as la bite qui craque, Madlax? Condition des triches. J'ai un pote qui dit que Nintendo, ils ont du bol sur leurs 4 licences phares, qu'ils surexploitent. Et je suis bien d'accord. T'es bien d'accord, Paco? Mais ils surexploitent rien du tout. Tu parles de quelle licence phare? Peut-être Mario, c'est très exploité. Effectivement, parce que ça fait plus vendre que de quand t'as Mario qui joue au golf, au foot et tout. Des Mario, il y en a beaucoup, c'est vrai. Mais les jeux sont pas tous les mêmes, déjà. Mario Golf, Mario Kart, Mario 3D, Mario 2D. Il y a beaucoup de Mario différents. C'est juste que la mascotte est là. Donc si t'aimes pas Mario en tant que mascotte, effectivement, t'es dans la merde. Mais moi, j'aime bien l'univers de Mario, donc ça va. Et après, tu parles de Pokémon. Pokémon, c'est Game Freak, certes. Surexploité, c'est un parent. C'est un parent dans la série principale, plus... des épisodes secondaires de temps en temps. C'est très exploité, c'est sûr, mais Game Freak n'a rien d'autre. Zelda,
Zelda, comment tu peux dire que c'est surexploité, quoi? Zelda, ça sort pas tous les ans. Zelda, c'est à chaque fois, ça sort. C'est un jeu qui est surtravaillé. Il sort, il est fini. Il défonce des trucs, il défonce tout le monde sur le marché. Zelda, c'est trop fort. Et quand tu parles des Mario, Mario, c'est très exploité, mais les Mario 3D, c'est ceux-là qui sont les plus importants pour moi. C'est pas les plus vendus. Mais pour moi, c'est les plus importants. C'est les plus finis. C'est ceux qui révolutionnent un peu des trucs. C'est eux où tu t'amuses le plus. C'est le plus beau. Et ils sortent pas, ils sont pas surexploités. Des Mario 3D, t'as 64, Sunshine, Galaxy 1, 2 et Mario Odyssey. Après, tu peux compter Mario 3D World et Mario 3D Land sur 3DS. C'est tout. Et ça fait combien de temps? Ça fait 26 ans. 26 ans que les Mario 3D existent. T'as 5 jeux. Super. C'est surexploité. C'est surexploité. Non, pas cool, là. C'est déjà plus que la plupart des jeux, mais je suis tout de ma gueule, hein, pas cool. C'est parce que ça marche que ça continue. Crois-moi que si les autres licences, elles marchaient autant que Mario, bah, continuerait de vivre. Mais c'est sûr que quand Klonoa... Qui connaît Klonoa? Bah, il y a que deux. Il y a que Klonoa 1 et 2. Parce que Klonoa, ça n'a jamais fonctionné. C'est pour ça que ça n'a pas continué. Des Pac-Man, tu vas pas me dire qu'il n'y en a pas des milliards. Tetris, il y en a des millions. GTA, bon, GTA, c'est bien. C'est un contre-exemple, parce que c'est des vrais jeux finis. Des vrais jeux finis qui sortent rarement. Et qui pètent tout. Pareil pour les Elder Scrolls, les Dark Souls. Ça, c'est des bonnes licences, ça. Mais il y en a beaucoup aussi, mais c'est juste que ça s'étale, quoi. C'est parce que ça fonctionne, donc sur la durée, ça prend. Mario, ça existe depuis longtemps. Mais Game Freak appartient pas à Nintendo. Ils ont des parts chez... Enfin, Nintendo a des parts, mais... Nintendo gagne pas tout l'argent. Il y a Pokémon Company, Game Freak, puis Nintendo. Surexploité, Battlefield, Call of Duty, FIFA. Ça, c'est surexploité. Assassin's Creed. En plus, c'est fait par une boîte de voleurs. Battlefield? De qui tu parles? The Witcher, si tu veux, oui. Ça, c'est des bonnes licences, mais je dis pas qu'il n'y a pas de bonnes licences. Mais elles sont... Tu vois comme elles sont dispatchées, ces licences? The Witcher, c'est qui fait ça? Dark Souls, c'est From Software. The Elder Scrolls, c'est qui? Je sais plus. C'est Bethesda, je crois. GTA, c'est Rockstar. Donc c'est maintenant Take-Two. Voilà, CD Projekt. Alors que Nintendo, bah boum! T'as Mario, t'as Zelda, t'as Pokémon. Alors même si Pokémon, on a dit que c'était pas trop ça. Mais en fait, c'est... Voilà quoi. Ils ont Cyberpunk. Rockstar, ils ont masse de jeux bien. Ils ont Red Dead Redemption et GTA. Grosse révolution à chaque fois. Ouais, mais Rockstar, je dis pas que Rockstar, c'est stylé, hein. Ils avaient Bully avant. Comment ça s'appelait? Oui, mais c'est plein de jeux. Bah, c'est plein de jeux. Après, tu dis grosse révo, mais c'est le même principe, les GTA. Les GTA, c'est toujours le même principe depuis le 3. Hein. Donc, grosse révo. Après, Red Dead Redemption 2, grosse révo graphique, peut-être. Graphique. Mais vous avez déjà joué à Red Dead Redemption 2? Parce qu'on s'emmerde. Hein. Le monde ouvert, il est magnifique, mais ça vaut pas Breath of the Wild. Il y a Elle est noire, effectivement. Ouais. Ah oui, il y a le thème sur Tetris 99, le thème Pokémon. C'est vrai que je faisais les thèmes à un moment, je farmais les thèmes. C'est différent les licences Nintendo avec les consoles Nintendo par rapport aux autres supports. Oh, l'histoire, c'est sympa.
Oui, allez, disons que l'histoire est sympa. Non, mais j'aime bien Rockstar. J'aime bien Square Enix, et enfin, quoique. Square Enix, ça dépend. Ça dépend ce qu'ils foutent. Avant, c'était bien. Et maintenant, c'est un peu moins bien, quoi. Mais il y a quelques jeux qui sont bien encore. Là, bah, ceux qui sortent sur Switch, en fait. Ceux qui sont chez Nintendo. Les jeux Octopath Traveler, là, il y a Triangle Stratégie qui va sortir. Les The World Ends With You aussi, ça, c'est bien. Ubi, ils ont plein de licences qui marchent, ouais. Mais tu vois, Ubi, c'est pareil, hein. Dès que ça marche, ils ont tendance à surexploiter. Et pour le coup, eux, ils surexploitent vraiment. Assassin's Creed, les lapins crétins. Dès que ça a fonctionné, eux, ils ont sorti des jeux tous les ans. Bon, je dois y aller. Désolé, je me quitte, je vous quitte comme ça, mais on m'a déjà engueulé. Donc, il va falloir que je me casse. Ouais, je me suis fait daronnade, il faut que j'aille manger. Tu achètes pas une Switch pour acheter Dark Souls seulement sur le store. Non, effectivement. Mais quand t'as une Switch, tu peux jouer à Dark Souls. Et voilà. Alors que quand t'as un PC, tu peux pas jouer à Mario. Enfin si, mais pas légalement. Où est-ce qu'on va aller? On va aller chez hop, Splatoon. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent à Splatoon? Ah, y a moi. Putain, j'étais top 1 streamer Splatoon. On va aller voir Le Mouille. Je sais pas c'est qui, mais c'est le seul qui stream Splatoon. Le Mouille. Le seul français qui stream Splatoon. La musique du thème Pokémon est folle. Quel thème Pokémon de Arceus? C'est vrai qu'il faut penser aux musiques aussi. Hein. Les musiques de Nintendo, c'est fou. J'ai gagné un débat par forfait. T'as rien gagné. Je vous ai explosé avec mes chiffres de vente. Je vous ai défoncé. Tous là, tous autant que vous êtes. Allez, je vous dis merci. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci pour ce moment de discussion passionné. Merci pour ces 1 an d'affilié. Eh oui, 1 an d'affilié. Waouh! On se dit à mercredi pour du Smash, peut-être à demain si j'ai le temps pour un autre jeu de mort. Et ciao, bisous. Je sais pas si le raid il se lance, ça fonctionne pas, je crois. J'ai l'air con. Bon, vous lui direz bonjour de ma part. Hein. Je crois que le raid il est en train de bugger. Les artistes du Discon. Ah bah oui, mec. Un problème est survenu. Bon, ciao, hein. Ça va fonctionner, je vous jure.